Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce 27 août 2020, 19h, 28h du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller. Et oui, de plus en plus mal, et vous le savez, et vous en êtes conscient. Et j'espère que vous êtes en train de vous préparer, parce que ça sera très difficile. Pendant ce temps-là, j'ai reçu un lien d'Alina que je salue et qui euh, est le suivant, et je vous le partage tout de suite, faut-il craindre la prochaine inversion du champ magnétique terrestre? Ça nous vient de niozone. Le dernier inversement magnétique des pôles a eu lieu il y a 780 000 ans. On ignore quand aura lieu le prochain, mais d'après certaines données, il serait éminent. Avez-vous déjà entendu parler d'inversion du champ magnétique de la Terre? Il s'agit, selon Wikipédia, d'un phénomène récurrent dans l'histoire géolo gé géologique terrestre pendant lequel le pôle nord magnétique se déplace au pôle sud géographique et inversement. En d'autres mots, pendant cette période particulière, les boussoles peuvent pointer l'Antarctique comme étant le nord au lieu de l'Arctique, nous explique le National Geographic, et cela est dû à une perturbation de la stabilité du noyau de la Terre. Pour comprendre ce phénomène, il faut aller à la source du champ magnétique terrestre et plus précisément au centre de la Terre, là où se trouve du fer fondu, un conducteur électrique et magnétique qui à cause de l'inversion bouge par des mouvements de convection perturbés, c'est l'effet dynamo, rapporte High-Tech. Le fer fondu crée ainsi le champ magnétique et ce dernier fluctue de manière imprévisible. Il y a peu, les scientifiques pensaient que cette inversion du champ magnétique terrestre s'effectuait sur une certaine période pouvant aller de 1000 à 10 000 ans, pendant laquelle les pôles magnétiques se déplacent rapidement sur toute la surface du globe. Toutefois, si au bout de cette période de transition, les pôles magnétiques revenaient à leur position initiale, on parle d'excursion magnétique. Si au contraire, les pôles permutaient, on appelle cela une inversion. Un exemple d'excursion magnétique nous, a, nous est donné par le journaliste Hazard Calabatri dans l'édition numéro 781 de Science et Avenir paru en mars 2012. Il y explique que nul ne s'en rend compte, mais en une heure à peine, le temps d'un déjeuner ou d'un cours de gym, le pôle nord magnétique se déplace de 6 bons mètres à la fin de la journée. Sa dérive atteint un peu plus de 150 mètres et en un an, c'est la distance entre Paris et Fontainebleau qui est avalée par ce point mythique. Et ce sprint dure depuis le milieu des années 1990. Quant au phénomène d'inversion, la dernière en date remonte à 781 000 ans, dénommée l'inversion Brunze-Matouyama. La réponse est assez mitigée, devons-nous craindre la version des pôles magnétiques si on se fie à la parole de certains chercheurs, le fait que cette inversion se déroule sur plusieurs milliers d'années est positive en ce qu'elle nous permette de mieux nous préparer pour anticiper tous les désagréments possibles. Seulement, cette inversion n'est pas non plus une chose positive puisqu'en en temps normal, le champ magnétique de la Terre nous protège des radiations cosmiques et solaires. Or, en cas d'inversion prolongée, nous serions exposés à des radiations. De plus, même si nous, les êtres humains, ne sentirions pas l'inversion des polarités, les satellites et les réseaux électriques seraient perturbés par cette inversion. Par ailleurs, les animaux qui se servent du champ magnétique pour s'orienter, comme c'est le cas des oiseaux, des tortues de mer ou encore des saumons, pourraient littéralement perdre le nord. Néanmoins, ils peuvent s'adapter à cette situation. Je vous avais déjà parlé de ces gros poissons qu'on avait vus dans l'hémisphère nord, qui appartiennent à l'hémisphère sud, et ainsi de suite. On pourrait peut-être blâmer cette inversion maintenant. Pour ce qu'on a vu dans les, dernières, euh, dans les derniers mois et l'an dernier, vous vous rappelez, ça fait à peu près un an, un an et demi qu'on a vu ces phénomènes-là se répandre. Et on voit aussi beaucoup de baleines, beaucoup de cétacés qui fonctionnent au radar se perdre, s'échouer sur les rives. Est-ce que ça, ça pourrait être ablamé aussi? Très possible. En tout cas, même si certains théoriciens ont associé l'inversion des pôles à l'extinction des espèces, aucune donnée n'est venue étayer cette thèse. Toutefois, une autre hypothèse a pointé le bout de son nez, celle qui suggère que contrairement à auparavant, l'inversion des pôles pourrait ne plus durer des milliers d'années, mais se dérouler en l'espace d'une vie humaine. De plus, les chercheurs s'accordent sur un point, nul ne sait quand la prochaine inversion aura lieu. Wow, il y a une vidéo là-dessus aussi, je vous laisserai ce lien-là vraiment intéressant. Mais moi, ce qui retient mon attention, c'est qu'on est en plein minimum solaire, l'atmosphère du, 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 de la Terre est complètement perturbée, le champ magnétique est affaibli, on a, un, 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 on semble, tout le monde semble être d'accord avec ça, une inversion probablement des pôles, un affaiblissement de la euh, de la magnétosphère. Le Soleil est en minimum solaire, peut-être grand minimum solaire, son atmosphère est pleine de trous affaiblis aussi, laisse passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent solaire, chargé de neutrions, protons et toutes sortes de radiations. Et on l'a vu, il y a des études qui nous démontrent, hors de tout doute, que depuis 3-5 ans, il y a une augmentation de 20 des rayons cosmiques galactiques. Je peux vous dire une chose, pour la santé humaine, c'est rien de positif. Vraiment rien de positif. Je vous reviens.